Les responsables de la coalition UDI 2019 de la commune de Thiès-Est sont revenus sur les violences dans leur circonscription le 10 février dernier lors de la caravane de Benno Bokouyakar du député Abdou Mbow pour déplorer l'usage de grenades lacrymogènes dans une maison favorable à la coalition UDI 2019. La caravane de l'honorable député Abdou Mbow. Pourquoi j'ai dit l'honorable député Abdou Mbow? C'est parce que tout simplement nous respectons les institutions et nous sommes des républicains. C'est la raison pour laquelle les titres qu'on doit attribuer à nos autorités, nous leur donnons ces titres. Mais son comportement n'est pas honorable. Son comportement au quotidien est très 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 déshonorable. Parce que vu ce qui s'est passé la fois passée, c'est inadmissible et inacceptable. Car un député comme Abdou Mbow, qui se permet d'être accompagné par des milices qui ont des grenades lacrymogènes et des coupes-coupes qui sillonnent la ville de Thiès, ça c'est inadmissible, ça c'est irresponsable. Et comme vos amis de la presse ont eu à interviewer le principal concerné, Sanoho, donc, il a clairement signifié que des grenades lacrymogènes ont été lancées 16 heures et ça a fait des dégâts énormes. Il y a même des confrères qui ont eu ces vidéos par devers eux. Donc, si vous voulez des éléments de preuve, vous pouvez aller demander à vos confrères qui étaient sur place pour qu'ils vous montrent ces éléments de preuve. En tout cas, nous l'avons entendu. Nous avons entendu son discours qu'il appelle à ce que les gens reviennent à la raison, mais tout simplement, ce qu'on veut lui faire savoir, c'est qu'il devait penser d'abord à régler ses troupes avant de nous donner des leçons de morale. En tout cas, nous n'avons pas intérêt à créer une situation de tension parce que nous savons bel et bien que nous sommes majoritaires à Thiès. Et les élections l'ont prouvé la fois passée et on le prouvera, Inch'Allah, au soir du 24 février qu'on est majoritaire. Tout ce qu'ils cherchent, c'est nous divertir et nous ne laisserons pas faire et nous n'allons pas accepter que cette situation continue à évoluer. En tout cas, nous cultivons la paix. Nous voulons la paix plus que eux parce que nous savons que bel et bien, si les choses se passent de manière transparent et de manière très civilisée, nous allons les battre de manière écrasante au soir du 24 février. Abdoulaye Falmao, coordonnateur de la coalition UDI 2019 dans la commune de Thiès-Est, président de l'APDR et ancien militaire, est revenu sur le danger de l'usage d'une grenade. Je vous dis très sincèrement, je défie chef d'État Mossol Sénat de Force Armée, haut commandant de la famille, ministre, directeur de la justice. Malade, nous avons une grenade pour le jouer. Faire le bon jouer, moi je vais répéter, armer le jouer, ou la police, ou la gendarmerie, ou les tirer. Quel est un homme qui fait? Qu'on a ça devait danser. Bon, nous devons avoir une ligne mobile, armer mon corps, par le sens de l'honneur à la patrie. Nous disons qu'on doit un citoyen. Nous devons dire qu'on tient du cœur du citoyen. Dans une fatigue, le centre africain là. Rwanda est là, d'autres et d'autres est là. De l'époque où il y a des élections là, quand qui nous dit ça, par des circonstances, nous disons que iPhone déjà confie, mais il y a qu'un bout de fierté. Nous n'avons aucune quête de violence. Mais dans le mal se soigne par le mal. Si nous at Abdou Mbow Mom, ne dit la responsabilité. Nous, parce que toi dis nous, j'ai défié à tout militaire, sans ou policier. Je dis que c'est une grenade d'exercice. La grenade est la seule chose que j'ai sortie. L'armée, ou la police, ou la gendarmerie, ou la rébellion. Abdou Mbow, je dois dire, qui m'a donné la grenade? Macky Sall n'a pas le droit à la grenade. La grenade, c'est ce qu'on appelle la grenade d'exercice. Ça tue. C'est de 3 mètres. Si manquait 3 mètres, si vous avez un exemple, 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 si vous avez un je vais défier les militaires qui sont au Sénégal, ou le gendarme, ou le policier. Je vais dire ce que je veux dire. Si vous découpez, vous noyez. Donc, nous savons que nous sommes des civils.
Et puis, l'image, feu de grenade, vous me jugez. Des constats qui l'ont poussé à réclamer au nom de la coalition IDI 2019 la démission du ministre de l'Intérieur. Il n'a qu'à rendre le tablier pour régler le problème de Macky Sall. C'est ça, parce qu'il est incompétent, il est indigne. Un homme indigne qui n'a même pas la misérabilité et la voie de l'hôpital où il doit rendre le tablier. Allons-nous dire que c'est un homme médiocre, on le dit ou pas. Parce qu'il est là pour détruire le Sénégal. Notre république, notre nation, la grenade doit passer la nuit uniquement par les magasins d'armes. Quand vous venez, il fait un bond par un officier supérieur, il fait un bond. Il me dote la grenade. Faites une mission. Si je n'ai pas lancé la grenade, je n'ai pas détruit la grenade, je reviens immédiatement lui remettre la grenade. Donc, c'est ça. Personne n'a le droit, même le président de l'armée, le plus fort de l'armée, n'a pas le droit de chercher, de tenir une grenade. Ça, une orbe. Ça, un orbe. Mais la réponse donnée à une question. C'est-à-dire que ce que nous savons aujourd'hui au Sénégal, nous avons un problème d'autorité. Moi, quand je suis militaire, quand je suis gendarme, je suis un policier. Par le sens de l'honneur à la patrie, je n'exécute pas les morts. Parce qu'il y a des ordres à ne pas exécuter. Parce que quand je me donne un ordre comme ça, moi, je suis sûr et certain, les gens qui tenaient les grenades là, ne sont pas des civils. Ils ne sont pas des civils. Comme c'est Rinak va m'appeler. Je vais lui démontrer qu'ils ne sont pas des civils. Il le sait. Mais Adumbo est une institution, il est vice-président. Non, attends. Attends. Il n'a pas droit à une garde rapprochée. Attends, non. Non. Nous sommes aux élections. Il n'est même pas candidat. Il n'a même pas le droit d'avoir un serveur militaire. C'est ça le problème. Le plénipotentiaire de la coalition IDI 2019, par ailleurs, maire de la commune de Thiès Est, a déploré quant à lui la politique de deux poids, deux mesures en ce qui concerne la protection des acteurs politiques ou même des autorités en de pareilles circonstances. Premier de la ville. Je me dis que le maire, il y a un feeling qu'il n'y a pas. C'est ici en Afrique, ou ici au Sénégal. Mais quand on sait les pays développés, on sait une démocratie, les États-Unis, les Européens, les pays développés, le maire n'est que l'on connaît. Je me dis que si vous êtes président, vous êtes. Parce que dans les grandes villes, les États-Unis, les maires, 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 kon buñu japp ni yow da nga nek au pouvoir rek ñi ci dess joxo leen ben considération da ngay nek ba problème am wala ba jafé jafé am nga sogo bëgg woté ni nañ def jamm.